J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour ce dernier jour de l'année pour une semaine dans mon assiette entre les fêtes. Donc du coup, j'ai eu l'envie de vous montrer ce que je mange entre Noël et Nouvel An. Parce qu'il faut savoir que moi, pendant les fêtes, c'est pas forcément cantonné aux 24, 25 et 31. Moi, en général, je me fais plaisir pendant toute la période des fêtes. Et puis c'est surtout parce que on mange les restes, hein. Généralement, il y a toujours des restes. Donc du coup, c'est aussi ça qui prolonge un peu la féerie de Noël, en tout cas au niveau alimentaire. Mais vous allez voir quand même que cette semaine est relativement simple. Je ne me suis pas pris la tête, je me suis juste basée sur les restes. J'ai essayé de faire des repas très rapides et très simples, mais tout autant gourmands. Donc j'espère que cette semaine dans mon assiette vous plaira. Du coup, si vous aimez la vidéo, je vous invite comme d'habitude à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vous réserve un petit moment très rigolo. Sur ce, j'arrête de parler, je vous laisse avec ma semaine dans mon assiette et on se retrouve en fin de vidéo. Alors, pour ce premier petit déjeuner de la semaine, lendemain de fête, puisqu'on est le 26 décembre, j'ai décidé de faire simple avec juste deux petites tartines de pain de campagne grillées avec de la margarine. Alors, ça se voit pas parce que ça a déjà fondu. Hein. Un petit kiwi, donc pour ma petite dose de vitamine C. Parce que j'avais envie de me faire un bon petit chocolat chaud pour le matin. D'ailleurs, pour le chocolat chaud, je vous conseille fortement ces deux-là. Ça, c'est une édition limitée pour Noël, mais la version normale de Starbucks est aussi super méga bonne. Mais celle-là, la Toffee Nut, donc vous avez un goût noisté avec, c'est franchement trop bon. Et puis bien sûr, le meilleur équivalent au lait de vache, c'est celui-là de chez Alpro. Franchement, c'est un lait à base d'avoine, mais franchement, c'est bluffant. C'est vraiment hallucinant. Donc vraiment, les deux-là, c'est combo parfait. Et puis je l'accompagne d'un petit yaourt, donc Coco Alpro, pour aller avec tout ça. Alors pour ce midi, donc comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai déjeuné très, très léger, parce que voilà ce qu'on mange à midi, de la raclette. Alors, celle de vivre vert, qui est franchement super bonne, hein, je l'ai goûtée et validée. Ça c'est tout nouveau, donc j'ai trop hâte de tester parce que j'ai testé la version fondue qui est la plus bluffante que j'ai jamais goûtée parmi toutes les recettes que j'avais testées. Donc vraiment, j'ai très très hâte de goûter la raclette. Sachant que là, c'est la gamme nature, il y a une gamme aussi au poivre, mais malheureusement, ils en avaient plus en stock. Donc j'ai pas pu la prendre. Ensuite, là, je suis tombée dessus à Monoprix. Alors là, c'était, je m'y attendais pas. C'est vrai que je connais bien la marque Vegan Deli, mais du coup, je ne savais pas qu'ils faisaient de la raclette. Donc là, j'ai pris un de chaque pour goûter. Donc la version fumée et la version normale. Et bien sûr, pour accompagner le tout, les petits lardons la vie que j'adore. Hein. Ça, clairement, pour moi, c'est trop trop bon avec la raclette. Voilà. Donc de toute façon, je vais vous dire juste après mon avis sur ces fromages-là directement en direct. Alors, récap donc des raclettes. Alors, pas mal de choses à dire. Alors, la gamme Vegadeli, ça fond hyper vite. Donc ça, c'est un gros plus. Par contre, au niveau du goût, alors, c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais. À choisir entre le nature et le smoke, je préfère le nature. Il a un goût quand même assez prononcé. Donc, franchement, ça va. Mais... à la fin, ça, enfin voilà, si vous mangez que ça, vous sentez un peu un arrière-goût. Ça me fait un peu penser au fromage Your Life. À force d'en manger, ça me fait le même effet. Par contre, le fumé, on sent clairement que c'est du fumé chimique. Donc du coup, c'est voilà. Donc quand vous faites un petit mélange de toutes les raclettes et tout, ça passe. Mais je vous conseille pas de manger que ça parce que sinon, c'est voilà. Mais bon, en tout cas, ça fait bien l'affaire si jamais vous voulez faire une raclette de dépannage. Mais c'est pas cela que je rachèterai clairement. Ici, donc, nous avons la New Roots que j'avais trop hâte de goûter. Alors, pour être honnête, je suis déçue parce que je m'attendais à beaucoup mieux. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf non plus. Rien à voir avec la fondue qui est bluffante à souhait et qui est vraiment trop trop bonne. Celle-là, franchement, j'ai pas vraiment eu de plaisir à la manger, donc je ne la rachèterai pas. Sachant que c'est pas donné en plus. Hein, le petit carré que je vous ai montré tout à l'heure, c'était plus de 6 euros. Donc, voilà. Donc,
assez déçue, j'avoue. Et celle-là, donc celle de Vivre Vert, hein, que je vous ai déjà parlé et que franchement j'adore, il n'y a pas photo. Et de l'avoir goûtée en même temps que les autres, ça m'a permis de bien comparer. Et il n'y a pas photo, je préfère largement celle-là. Elle n'a pas du tout d'arrière-goût, elle a un bon goût aussi. Et par contre, elles fondent beaucoup plus lentement. D'ailleurs, le New Route, c'est pareil, mais bon, en même temps, les tranches sont assez épaisses. Donc ça fond plus lentement comparé à Vegan Deli. Mais voilà, si je dois vous en recommander qu'une, Vivre Vert, sans hésiter. Voilà. Mais c'est vrai que on trouvera pas, je pense, un fromage qui soit vraiment équivalent à la raclette de base. Pour vous dire, mon chéri n'a pas du tout validé. Il a validé la fondue New Roots pour dire que c'était bien un équivalent de fondue, parce que au niveau fromage, il est très difficile. Et pour la raclette, il valide pas. Hein. Et la Vivre Vert, lui, il trouve qu'elle a pas assez de goût. C'est vrai que c'est beaucoup plus léger qu'une raclette, on va pas se mentir. Mais franchement, pour moi, elle est quand même super bonne. Elle a quand même un bon goût. Et voilà, nickel. Mais c'est sûr que si vous voulez une raclette qui sent fort, bah, on en est encore loin. Donc voilà donc pour mon avis sur les raclettes. Alors pour le 4 heures, j'avais très envie de faire, comme d'habitude, mon mug cake préféré, celui de tous les temps, donc qui était le brownie protéiné de Lloyd Lang. Donc ça, c'était la recette de base, mais que j'ai modifiée depuis. Et franchement, que j'adore trop. Donc c'est en version caramel. Et d'ailleurs, j'ai fini ma protéine caramel. Donc je suis trop dégoûtée. Parce que là, je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Je rajoute du chocolat. Des fois oui, des fois non. Et par-dessus tout, je rajoute un cœur de spéculoos. Et là, je mets une énorme cuillère. Ouais, j'abuse clairement, mais c'est franchement trop, trop bon. C'est une tuerie. De toute façon, je vous remettrai les ingrédients dans la barre d'infos. Mais franchement, je l'adore trop. C'est un mug cake de l'enfer. Alors pour ce soir, c'est tout simplement un repas de reste. Donc j'ai fait donc les tartines champignons au beurre persillé donc de Mélanie le cul de poule qui fait penser donc aux escargots hein, tout simplement. Et franchement, c'est vrai que c'est assez bluffant au niveau du goût. Donc sur les tartines au four, c'est franchement super bon. En plus, c'est une recette très très facile. Ah très très facile. Et du coup, ça fait partie de son livre Cuisine Express Vegan que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Hein. Je vous avais fait une vidéo une journée dans mon assiette. Et avec, je vais l'accompagner une petite soupe parce qu'on a froid. Donc là, c'est tout simplement une soupe de vermicelle, voilà, avec de la crème de soja et un petit bouillon de volaille vegan, bien sûr. Voili, voilou. Bon appétit! Alors pour ce petit déjeuner, pour ce jour 2, bah écoutez, j'ai envie de faire très simple parce qu'il est plus de 10h30 en fait et j'ai pas encore déjeuné et j'ai quand même un petit creux avant de manger à midi. Donc du coup, bah je vais tout simplement prendre des petits pains d'épices au chocolat. Donc ils sont bien vegan, je les ai achetés chez Cora. Donc c'est une autre marque que celle que je connais habituellement. Donc voilà, donc je vais en prendre un ou deux, je vais voir. Et puis j'ai envie de goûter cette nouveauté que j'ai trouvée à Auchan. Donc le yaourt à la grecque, donc je pense que c'est, vu que j'aime bien le yaourt normal qui est au lait de coco, mais c'est vrai que je l'achète pas souvent parce qu'il sent quand même la coco, et du coup c'est pas un yaourt nature en fait, donc et vu le prix, en général je préfère acheter mon Alpro Coco qui est bien meilleur, voilà. Après j'ai voulu tester à la grecque parce que je me suis dit ça se trouve il est peut-être encore meilleur quand même. Voilà, voilou. Alors pour ce midi, on avait très très envie de manger une pizza savoyarde avec les restes qu'on avait. Donc j'ai juste été acheter de la pâte à pizza entre-temps. Donc du coup, j'ai mis un fond de crème fraîche. Alors la crème fraîche que j'ai fait maison, comme je n'avais plus de Skyral Pro, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon yaourt de soja nature que j'ai égoutté pendant 2 heures. Bah écoutez, juste 2 heures, ça a suffi pour lui donner une texture hyper épaisse. Mélangé avec de la crème de soja, franchement, ça a donné voilà, une crème fraîche normale en fait. Donc je pense que ça sera très très bon. Ensuite, bah, j'ai rajouté les lardons la vie. J'ai mis de l'oignon, les pommes de terre, comme on avait cuit les pommes de terre pour la raclette, il nous en restait, donc j'ai juste à les couper en petits morceaux, mais elles sont déjà cuites. J'ai rajouté du râpé vivre vert, parce que je n'ai pas de mozzarella, parce que sinon dans la savoyarde, en temps normal, c'est de la mozzarella. Et bien sûr, j'ai rajouté la raclette New Roots, donc pour la terminer. Donc par-dessus, donc je pense que le mélange devrait être trop trop bon. Et au niveau des épices, j'ai mis de l'origan parce que c'est ce qui est mis dans la pizza savoyarde de Domino's. Voilà. Donc je vais vous montrer le avant et je vais vous montrer le après et je vous dirai si c'est trop trop bon. Bon, bah voilà la pizza. Je voulais vous la montrer mais j'ai pas pu résister et j'ai goûté. Elle est trop 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 bonne. Franchement, c'est un délice. Donc voilà quand elle est cuite. Franchement, ça vaut trop le coup. C'est trop bon. Donc, je vous la recommande 1000 fois.
Pour le 4 heures, bah écoutez, j'ai pas envie de m'embêter, j'ai envie de faire un petit repas tout simple. Donc j'ai racheté de la brioche vegan, de la fournée dorée que je trouve uniquement chez Leclerc. Donc comme j'étais de passage, j'en ai profité. Et je vais l'accompagner de ça, donc c'est ma trouvaille du jour à Auchan. Donc un chocolat suisse fourré à la crème de noisette et amande. J'ai goûté, c'est trop trop bon. Et en plus pas si cher, hein, moins de 2 euros la tablette. Donc voilà, par rapport au chocolat vegan d'habitude, ça va. Donc voilà, donc je vais me faire un petit combo comme quand j'étais petite, hein, brioche chocolat. Ça sera parfait. Bon, pour ce soir, bah écoutez, hein, c'est très simple. Hein, je mange tout simplement les restes de ma pizza de midi. Parce que j'avais mangé que la moitié. Hein. Elle était super bonne, mais à chaque fois, je me fais avoir une pizza entière. Pour moi, c'est beaucoup trop. Hein, avec mon bypass, ça passe pas. Mais voilà, mais elle est trop trop bonne. Donc, je suis trop contente d'en manger deux fois dans la même journée. Voilà, ça sera toujours aussi gourmand. Pour ce troisième jour, je décide de me faire un petit bowl assez gourmand. Donc un bowl comme d'habitude, hein, céréales, fruits, yaourt et beurre d'oléagineux. Donc là j'ai utilisé le yaourt à la grecque donc de Andros que je vous avais montré hier et qu'en fait je n'avais pas mangé finalement. Donc là c'est fait, donc je vous confirme, hein, c'est le même que le yaourt de base, c'est juste qu'il est beaucoup beaucoup plus épais, donc en version à la grecque. J'ai rajouté un peu de framboise, un kiwi, du muesli au chocolat de chez Happy Bio que j'avais gagné lors d'un concours. J'ai rajouté des noix du Brésil parce que c'est vrai qu'en ce moment, je me rends compte que j'oublie beaucoup les noix. Ouais, en topping, c'est quand même pas mal de rajouter ça. Et voilà, tout simplement, puis c'est très bon. Hein. Et j'ai rajouté en gourmandise de la crème de pistache, donc du beurre de pistache de chez Coro. Franchement, il est à tomber, c'est un truc de fou. Je comprends tout ce qu'on... Tous les avis que j'ai reçus sur les produits Coro, malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience avec Coro. Si vous m'avez suivi sur Instagram à ce moment-là, vous savez de quoi je parle. Mais du coup, ça m'a dégoûté au point que je n'ai pas envie de recommander, clairement. Mais c'est con parce que leurs produits sont top. Mais voilà, leur service, livraison et après-vente, c'est une calamité. Donc, hors de question que je recommande. Voilà, voilà. Du coup, bah, je vais déguster ça avec un petit jus d'orange et ce sera très bien. Alors pour ce midi, repas très très simple, il fallait absolument qu'on termine la sauce gravy qu'on a fait à Noël, hein, donc qui est la recette de Jean-Philippe que j'adore, et encore on l'a pas terminé, hein. Il y en a encore pas mal, donc il y en aura encore pour un repas. Donc du coup, bah, le mieux avec cette sauce en général c'est une purée, franchement ça se marie trop 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 bien, donc la purée de pommes de terre standard. Et avec, j'ai rajouté les tenders Beyond Meat. Oui, 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 Beyond Meat que j'ai trouvé à Biomonde. Alors là, forcément, quand j'ai vu cette nouveauté, j'ai sauté dessus. Et franchement, ils sont à tomber. On dirait trop les tenders de KFC. Ça me manquait tellement en plus. Donc là, clairement, c'est un bonheur, quoi. Donc si vous avez toujours adoré les tenders de KFC et que vous trouvez la version Beyond Meat, foncez. Franchement, vous ne le regretterez pas. Voilà, donc du coup, repas très simple, mais qui va être délicieux. Pour le goûter, bah écoutez, j'ai envie de faire simple, hein. J'avais juste envie de brioche, donc je me suis pris 4 tranches de brioche vegan. Et voilà, et ce sera très très bien comme ça. Alors pour ce soir, bah c'est repas qui fait plaisir, une bonne petite raclette, parce qu'on en a quand même pas mal qui nous reste de Noël, donc du coup ce soir on fait les restes. On n'en aura pas encore fini, on aura sûrement une troisième raclette à faire, mais c'est pas grave, c'est trop bon. Donc là, c'est celle de vivre vert que je suis en train de vous montrer, qui a bien fondu, et le bacon de la Vie Food. Voilà, voilà. Hello! On est le jour 4 de la semaine, donc on est jeudi. Je vous fais un petit facecam parce qu'en fait, j'ai pas déjeuné ce matin. Parce que ce matin, c'était shooting pour un de mes clients qui a gagné le concours que j'avais fait sur Instagram. Et du coup, bah, en fait, j'ai fait que grignoter son produit toute la matinée. Alors, c'est pas courant hein, de manger de l'apéritif au petit déjeuner. Mais voilà, donc du coup, ça m'a calé jusqu'à midi. Hein, parce que là, il est midi et demi. Donc là, je vais seulement manger mon repas de midi. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Mais déjà, je vais vous montrer ce que j'ai grignoté du coup ce matin. Donc voilà, il y a encore les restes du set du shooting de ce matin. Donc le produit, ce sont des saucissons à base de seitan. Il y a 3 gammes exactement. Une qui est rustique, standard. Une aux 3 poivres et une au paprika. Et mon coup de cœur, c'est clairement le paprika. Il est trop trop bon. Alors, je vais être honnête, moi j'adore. Franchement, je les adore. Le rustique, il manque un petit peu de goût à mon goût. C'est pour ça que je préfère la version paprika ou même le 3 poivres. Parce que je suis pas très fan du poivre en temps normal. Mais là, franchement, ça va. Mais le paprika, vraiment, en coup de cœur, on dirait vraiment du chorizo.
Mais par contre, mon homme qui adore pourtant le seitan n'aime pas du tout la texture des saucissons. Il aime pas du tout. Et c'est vrai que le client m'avait prévenu que la texture du seitan est complètement différente, et c'est vrai. Mais moi personnellement, ça me choque pas du tout, ni au niveau texture, ni au niveau du goût. Franchement, je kiffe. Donc voilà. Donc c'est des produits de chez Just One V. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est une petite entreprise française. Donc qui a démarré il y a très peu de temps, mais franchement voilà quoi. Donc super bon. Donc je suis très contente des produits et je suis contente d'avoir pu lui faire un beau petit shooting pour ses produits. Voilà, et pour midi, j'ai eu envie de pâtes, donc c'est mon chéri qui a fait à manger. Donc il a fait des spaghettis, le reste des champignons qu'on avait. On a vu aussi des restes de steak haché de Noël, de la marque Acro, que je vous avais parlé dans ma vidéo spéciale Noël. Mais alors, j'ai pas du tout aimé, hein. Le goût, ça va, mais la texture était trop bizarre. Donc, j'avais dit qu'il faudrait que je le fasse en haché. Donc, c'est ce qu'on a fait, hein. On l'a mis en haché. Au niveau de la sauce, on a fini la sauce gravy, puisque hier, on l'avait toujours pas fini. Donc, là, au moins, elle est terminée. Et puis, je vais rajouter, je pense, un peu de gruyère de vivre vert, que j'adore. Et ça sera parfait. Bon appétit. Alors, pour 4 heures, j'avais envie d'un plaisir. Donc j'ai refait encore une fois le mug cake, donc de Lloyd Lang, hein, qui est son brownie protéiné, je le rappelle. Là c'est juste que comme j'avais plus de protéines caramel, je l'ai remplacé par de la farine de cacahuète. Donc j'ai hâte de goûter parce qu'à mon avis ça doit être super bon. Et là exceptionnellement le spéculoos je l'ai mis par dessus. Alors j'ai mis une grosse cuillère à café, mais comme ça fond on dirait que j'en ai mis beaucoup. Oui, clairement, j'en ai mis beaucoup, hein, j'ai abusé. Et en fait, c'est parce que j'ai mis beaucoup plus de chocolat au fond, donc voilà, pour que ça fasse cacahuète, chocolat, et puis avec le spéculoos. Donc, on va voir ça, mais en tout cas, voilà, c'est bien fondu. Alors, voyons voir à l'intérieur. Voilà. Hop. Ouais, il y a tellement de spéculoos qu'on a du mal à voir, mais oui, vous voyez bien le chocolat. Du coup, je vais goûter tout de suite et vous dire comment c'est. Ah écoutez, là, c'est full cacahuète, hein. Donc, trop trop bon. Puis mélangé avec le spéculoos, c'est clairement une tuerie, comme d'habitude. Bon, maintenant, je vais pouvoir redonner la balle à Harry, parce que, voilà, il arrêtait pas de faire du bruit avec pendant que... on voit bien les petits globuleux. Hein, je pouvais pas tourner ma vidéo pendant que monsieur jouait, donc j'ai dû lui piquer. Hein. Bon, pour ce soir, rien de nouveau sous le soleil, hein. C'est exactement le repas de midi. Là, j'ai mis une grosse portion parce que j'ai très faim, mais celle de midi, j'avais même pas tout mangé, hein, pour vous dire. Donc voilà, donc c'est de nouveau les spaghettis avec les champignons, la sauce gravy, les morceaux de haché. Donc que, là, franchement, ça passe, hein, la texture, elle passe, hein, y a aucun souci. Et le fromage de vivre vert qui est trop trop bon. Voilà, en tout cas, la sauce gravy avec les champignons, la viande hachée et les spaghettis, c'est vraiment super bon. Donc c'est vraiment une recette que je vous conseille. Alors pour ce dernier jour de la semaine, aujourd'hui le thème c'est gourmandise. Donc j'avais très très envie de refaire le cake framboise citron avec le crumble d'amande, donc de Courgette & Co. Et franchement d'habitude je le fais en version muffin et là je l'ai fait en version cake. Et vraiment je vais pas être déçue, ça c'est sûr. Alors il y a juste pour les framboises, j'ai juste rajouté quelques framboises au dessus pour la déco. Mais sinon pour l'intérieur j'ai mis le reste de mon coulis de framboise, de mon cheesecake de la semaine dernière. Voilà, c'était pour finir les restes principalement. Et je vais l'accompagner donc d'un bon petit chocolat chaud Starbucks que je vous ai déjà montré en début de semaine. Par contre, je crois pas que vous avez montré ma super tasse, il me semble pas. Voilà, ça c'est la tasse que m'a offerte ma coach pour la fin de notre coaching. Pour dire que je suis une super héroïne. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve un peu plus tard pour le repas de midi parce que là, il est plus de 11h. Donc du coup, déjeuner tardif. Mais dans tous les cas, il y aura 3 bons repas aujourd'hui. Donc je vous retrouve un peu plus tard. Alors pour ce midi, c'est burger frites. Donc burger frites maison intégrale. Et je vous montre celui de mon mari qui est beaucoup plus beau que le mien, bizarrement. Donc dans le petit pain jaquet spécial légumineuse qui est au pois chiche et au maïs, qui est franchement super bon. Je prends ça à chaque fois maintenant pour les pains burger. J'ai mis une base de 2 laitues. Ensuite, donc le burger, donc j'ai choisi celui de la marque Eurafood avec le reste de raclette, parce que vous le savez, j'en ai plein à liquider. Donc j'ai mis celui de la marque Veggie Deli. Donc j'ai mis une tranche normale et une tranche fumée pour que ça se mélange et que ce soit bien meilleur. Donc en effet, ça a bien coulé. J'ai rajouté le bacon de la vie parce qu'il me restait encore un petit fond.
Des oignons frits, la sauce, j'ai fait une sauce Big Mac maison, donc à base de relish, puisque comme j'ai le condiment spécial pour la base Big Mac, donc du coup, bah, je suis une des recettes de Jean-Philippe pour la sauce Big Mac. C'est juste que j'ai remplacé les cornichons par la sauce relish. Alors, elle est juste un peu trop salée parce que j'aurais dû moins saler, du coup, forcément, mais sinon, nickel. Et puis voilà, c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Et puis, avec les frites maison, donc faites avec la Actifry. Voilà, voilà, je vais me régaler. Bon, bah écoutez, pour le goûter, hein, j'avais tout simplement envie de reprendre une bonne part du gâteau que j'ai mangé au petit-déj, qui est trop trop bon. Mais ça, je le savais déjà. Hein. C'est juste que comme là, j'avais utilisé le coulis cheesecake à la place des framboises, je me posais la question. Et en fait, bah, ça se marie très très bien aussi, donc aucun souci. Voilà, mais ce que j'adore le plus, c'est la croûte cristallisée par le sucre et la poudre d'amande. Donc c'est vraiment trop trop bon et en plus, il est bien moelleux. Enfin bref, c'est une tuerie ce petit cake. Vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos. Bon, pour ce dernier repas de la semaine, donc là, j'ai enfin pu faire les fameux feuilletés aux saucisses que je voulais faire à Noël, parce que, évidemment, ils ont remis en stock les knacks Happivore, bien sûr, le lendemain de Noël. Donc là, je les ai achetés et j'ai dit, je les ferai pour maintenant. Alors par contre, ils sont énormes parce que je savais pas trop comment faire pour les enrouler, donc j'ai testé plusieurs techniques, et c'est vrai que ça donne l'impression que c'est un hot dog avec un pain, alors qu'en fait, non, c'est de la pâte feuilletée. J'ai pris la saucisse, j'ai rajouté de la raclette, parce que comme je vous l'ai déjà dit, il m'en reste beaucoup, donc j'essaie de la liquider un peu partout. Donc j'ai rajouté un peu de tranche à raclette et je l'ai enroulé tout simplement dans la pâte feuilletée. Et là, bah, j'avais enroulé sur une petite feuille, parce que comme j'ai coupé la pâte au fur et à mesure, il restait juste un petit bout, donc il n'y avait pas suffisamment pour tout recouvrir. Donc je l'ai fait en version un peu croissant. Bon, franchement, c'est pas moche, hein. Et puis là, le côté pas hot dog, c'est rigolo. Donc avec une bonne salade. Donc la vinaigrette, c'est celle de Amandine Wellness dans son e-book, que j'aime beaucoup. C'est à base de moutarde à l'ancienne, de sirop d'érable, de vinaigre, de balsamique et de sauce soja. Et franchement, ça, elle est très très bonne. Hein. C'est mon chéri, il l'adore. Donc voilà. Donc du coup, repas très très simple. Et si on a encore faim, bah, je sortirai les fromages. Donc du coup, voilà. Donc je vous montrerai ça juste après. Du coup, bah, on va manger un petit peu de fromage. Enfin, moi, le faux et mon homme, le vrai. Je vais vous présenter du coup ce que j'avais acheté pour Noël. Donc là, c'est le Jean-Jacques de J&J Joy. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de moisis sur le dessus. Hein. C'est normal. Il y en avait déjà quand j'ai ouvert le fromage. Donc, ce que je fais, vous voyez, bah, c'est que je vais tout simplement enlever la peau. Hein, parce que pour pas qu'il y en ait... pour pas le manger, hein, clairement, hein, même si c'est pas dangereux pour la santé, mais quand même, hein, je suis pas très fan du moisi, clairement. Alors, ce fromage, normalement, est censé être un équivalent du maroilles, mais franchement, pour être honnête, il est très léger au niveau du goût, donc rien à voir. Moi, je m'attendais à avoir un truc type Munster, un truc bien puant, comme le vrai fromage, en fait. Et pas du tout. Mais il est bien crémeux, il est léger, il est très bon. Donc, voilà, c'est le principal. Ici, nous avons la gamme de tic affinage. Donc ça, c'est le Payback que j'avais goûté la dernière fois et franchement, c'est trop trop bon. Et là, j'ai testé donc le Petit Boucan qui est donc le deuxième de la gamme que je n'avais pas encore goûté. Et franchement, le Petit Boucan, il est à tomber. Pareil, hyper crémeux, un goût un peu plus prononcé, mais franchement sublime. En gros, pour vous dire, j'adore le Petit Lorrain de Petit Vegan. Eh ben, celui-là, il le détrône. Pour vous dire à quel point, parce qu'au niveau de la texture, il est bien plus crémeux, il ressemble bien plus à un fromage, et franchement, il est trop trop bon. Donc j'adore les deux, mais voilà, maintenant si je devais choisir un fromage parmi les trois à racheter, j'en rachèterais que celui-là. Surtout que vous voyez, là, il y a une grosse part quand même que j'ai bien mangé à Noël, parce qu'on a mangé ça en plusieurs jours, mais franchement, le fromage est assez gros quand même, hein. Donc pour 10 euros, c'est quand même... voilà, là c'est rentable, j'ai envie de dire, parce que les autres sont quand même plus de 10 euros et ils sont beaucoup plus petits. Bah, ils sont petits comme ça, hein, quasiment. Même si le Jean-Jacques, ça va, il est à 5 euros, donc c'est pas trop élevé. Mais bon, voilà, ça reste un fromage vegan, donc ça reste pas donné. Mais franchement, celui-là, il vaut trop le coup. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas à le prendre. En tout cas, si vous aimez les fromages relativement doux, mais avec quand même un bon petit goût et aussi bien crémeux, bah franchement, vous serez content. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, on passe officiellement en mode fiesta. C'est parti! Et voilà! En mode pilou-pilou pour fêter cette fin d'année comme il se doit. Car chez nous, c'est chill, fun, geek et nourriture. Allez, en tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir suivi pendant toute cette année 2022 sur la chaîne. J'espère que le contenu vous plaira toujours en 2023.
2023 et que vous serez toujours au rendez-vous. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.